Coucou tout le monde. Pas de photo. On va juste faire un kit uniforme sans pack payant. Alors, béret, rouge. Par contre, j'ai oublié un truc. On va le mettre pour les enfants. Ou pour ça, comme ça. On va faire tous mes personnages. Comme ça, un uniforme. Il y a celle-ci, mais là, on ne va pas le mettre en blanc, on va mettre en rouge. Ou on peut faire comme ça, t-shirt blanc, t-shirt rouge. Il y a ça, il y a ça. J'ai l'impression qu'il y a une nouveauté là, mais je le vois pas. Pourquoi ça fait ça? Mais tout ça, je les connais déjà. Enfin, on connaît tout ça déjà. Là, je les connais tous. Bon, les chaussures, on va pas chercher. Alors, oups, ça c'est les vestes. On va voir les jupes. Alors, il y a ça, il y a ça. Moi, je préfère celle-ci. Et si vous voulez faire une école style comme ça. C'est parfait. Avec la veste. Ça, par exemple, on peut le mettre pour quand il fait pas trop froid, les enfants ils peuvent mettre ça. Genre pour représenter les couleurs, quoi. Mais pas cette couleur. Il y a ça. Mais on va mettre la jupe. Celle-ci est très jolie. Ça aussi, c'est pas mal pour une uniforme scolaire. Allez, ça nous fait déjà une tenue. On va le mettre en mode pli. Ah, ça aussi. Non, ça, j'ai pas beaucoup. Ouais, ça, c'est pour les garçons, ça. On va pas chercher à faute. Pour les garçons, on peut mettre. Ben, on va pas trop se casser la tête. Après, pour les accessoires, c'est pas forcément obligatoire. Mais si on veut faire un ensemble de. On n'a pas le truc payant. Ah, c'est là, oui. Tu peux faire ça. Histoire de dire que c'est pour les garçons. C'est moche. Voilà, ça c'est pour un garçon. Après, si vous voulez mettre une veste. Après, il peut se rajouter ça.
Ça aussi, c'est pas mal. Allez, ça nous fait un unif. Là, j'enroule les fils. Ça, je trouve pas ça très joli pour les filles. Un petit truc comme ça. Oh, il y a ça aussi. Ensuite, je vais mettre une coiffure un peu plus appropriée. Voilà, un style un peu comme ça, quoi. Un style un peu comme ça. Comme ça nous fait différents mannequins. Alors, en jupe. Nous fait ça. On a oublié un truc. Ça. Voilà. On n'est pas obligé de leur mettre les trucs. Après, pour les garçons, il y a aussi ça, hein? En taille, on va mettre enfin. Un petit peu. Ça, en noir, c'est pas mal. Là, vous notez, j'ai pas mis forcément les accessoires. Mais on va lui remettre son accessoire. Il y a ça, c'est pas mal aussi. Après, laisse-moi voir si je peux lui mettre une veste. Je sais pas, comme ça, en bleu. Y a ça. On va changer, voilà. Derrière. Voilà. Histoire d'avoir un peu les mannequins différents, voilà. On va faire
Hop, voilà. En fait, tu me tâtes. Y a pas des... Non, là, non. Voilà, hop. Comme ça. On change un peu. Ça c'est super pas joli. Ça c'est très joli pour faire le pack uniforme. Alors, on va changer la couleur des cheveux au hasard. Au violet si tu veux, pas de problème. Si tu veux, voilà. On va voir les mannequins différents. Alors, petit béret. Toujours de la couleur uniforme. Et cette fois, on va rajouter
Pardon. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire des uniformes scolaires avec toutes les couleurs. Et voilà, un, voilà deux, un, voilà trois, quatre, cinq. On peut assortir les couleurs. Alors, cette fois, on va tenter sur du gris. La veste. Un peu petite cette veste. Il n'y a pas mieux. Ah, ça. Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que j'avais en tête. Pardon, mais je suis asthmatique et ces derniers temps, la vie n'est pas facile. Là, je ne lui ai pas mis. Vous voyez, j'ai pas mis tout. Et on peut faire des simples uniformes. Crée pour les filles, ça c'est facile. On peut lui mettre ça.
Voilà. Ça, c'est pour changer un petit peu. Bon, après, je suis pas sûre de trouver le marron à sortir à cette jupe, mais si vous savez le faire, je vous conseille. Hop, et puis là, il va rentrer. L'idée, c'est être un petit peu marron. Comment on va tomber? Si j'arrive pas à faire le marron, au pire, je prends.
histoire de mettre un peu de modèle, les fermes. Donc la peau. Voilà, ça c'est fait. Et les différentes vestes, tout. Là, on va faire des garçons. Cette fois, que les garçons. Entre nous, cette tenue est super pas beau.
Modèle libéré. Voilà, ça nous fait un petit différent modèle. Ensuite, on va prendre... Alors là, on va faire un garçon du style intello. Mignon comme ça, mon petit. Ça, c'est quand ils se font traquer par les enfants. Il manque juste une petite touche de ça. Voilà. Ça, c'est le look garçon intello. Après, ça dépend de vos goûts et vos couleurs. Pour les uniformes, marron, gris, bleu. Rouge et si je faisais un peu style kawaii comme au Japon, c'est ce que j'adore, le style kawaii du Japon. S'imagine que les enfants ils ont école, pourquoi ils se jupe un peu du genre comme ça avec un haut. Bon, je suis pas sûre que ça fait kawaii, mais c'est à peu près le style de des élus forts scolaires. Ah,
ça et ça. Je ne sais pas vraiment c'est quoi, c'est violet ou noir. C'est en fait un style de bois violet. Faut une veste. Comme ça, c'est noir ou c'est violet, je sais pas, hein. Parce que j'ai du mal à distinguer le truc. Quoi, on va mettre ça, on va pas se casser la tête. Elle, je vais lui rajouter pour changer ça, les chaussettes violet, puis les Converse, voilà. Chaque personne a son style. On va la mettre en mode enfant. Je suis pas sûre que ça fait vraiment la style kawaii kawaii. Non, pas ça. Juste oui. C'est compliqué de voir à quoi ressemble cette chose. Mais j'ai c'est du. Différents looks. Alors, toujours enfin, cette fois on va prendre. Une robe. Toi, tu vas mettre ça et tu vas. Non, on n'a pas besoin de chapeau. En coiffure. N'oublie pas la partie la plus intéressante, le truc. Bon, après les chaussures, tu mets comme tu veux. Les chaussures, on mettait comme les chaussettes, c'est pas. Je pense que pour compléter toutes ces tenues, je vous conseille les chaussures, les chaussettes blanches.
Là, on est sur du bleu. Et on a différents personnages pour faire une école ou une classe. Hop, là, on va prendre un garçon et on va lui faire style kawaii boy. Je sais pas trop, mais est-ce que j'ai vu? On va mettre ça. Voici le pote. On va lui mettre un short. Voilà. En rose. Ça serait trop marrant. J'aime bien les uniformes japonais. Et puis on va lui mettre la veste. Celle-ci, ça marche bien, mais lui, j'ai envie de le mettre comme ça. En chaussures, tu vas mettre. Je te laisse comme ça. Toi, tu vas mettre style de base, béret. Voilà, toi, tu es prêt pour l'école. Différents personnages. Et le dernier. Parce qu'après, je vais avoir besoin de mes autres pour faire mes personnages. Donc, mais là, on va prendre. Style un peu la kawaii. Non, c'est pas ça. C'est où? Il y a ça. Je veux la faire. Mode très kawaii. Il n'y a pas beaucoup de trucs qu'on peut changer la couleur. On va prendre celle-ci. C'est la seule qui fait la couleur que je veux faire.
Oh, parfait. Bon, allez, cette fois, on s'occupe des yeux. On va la mettre. Cheveux comme ça. T'es trop choupette. Et un peu triste. Mais ne t'inquiète pas, je t'ai pas oublié en accessoire. Bon, kawaii. Ah, cool. Attends, j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Non, pas par là. Les hanches. Ouais, ma chérie, tu es toute belle. Même si t'es un petit peu triste ou nette. Mais c'est pas grave. Alors, on fait apparaître tout le monde. Hop, hop, hop. On dirait une classe entière. Désolé pour l'atterrissage. Hop, voilà. Ok. Voici les différents uniformes qu'on peut faire sans kit de base. Sans les kits payants. Avec la rentrée scolaire, on a différents enfants de tout genre, des stars, des intellos. Différentes couleurs des écoles. Ça peut varier. Vous voyez, ça fait des choix différents. On n'a pas forcément le truc.